Très bien, et vous? C'est monsieur? Nicolas Georges, je suis le directeur général de Lafarge Algérie. Il n'y a pas Batimatex sans Lafarge? Non, on est un acteur important des matériaux de construction en Algérie, donc c'est très important pour nous d'être présent et de montrer notre savoir-faire, quels sont les produits qu'on a, les innovations, mais aussi une chose qu'on essaie de mettre en avant cette année, c'est quelle est la stratégie de notre groupe, le groupe Holcim, au niveau mondial, et comment est-ce qu'elle se traduit en Algérie avec nos équipes et nos équipements locaux. Donc vous êtes présent en Algérie depuis quand? Oula, le groupe Lafarge historiquement est présent en Algérie depuis 2002, avec un partenariat avec Cocider sur l'entité Colpa. Et depuis 2015, Lafarge est devenue Lafarge Holcim et récemment Holcim. Nous sommes maintenant une société suisse avec nos sièges à Zug, près de Zurich. Donc l'expérience et la garantie et la modernité et l'innovation toujours présentes à Batimatex. Ah, plus que jamais, plus que jamais. Et votre nouveauté cette année? Alors cette année, on a présenté deux grandes innovations. La première, c'était notre ciment Chamil EcoPlanète, un ciment pour les travaux généraux et la maçonnerie. Et c'est un ciment qu'on a produit avec une intensité carbone de l'ordre de 30% inférieure à un ciment classique. Donc en tonnes de CO2 générées par tonne de ciment produit, on a une baisse significative. Voilà. Pardon, ça c'est le premier produit. Le deuxième produit, c'est la mousse minérale Aerium. C'est un mortier qui nous sert à faire les pentes de toit et les chapes. Et c'est un mortier qui va être isolant. Donc plus de confort pour le client final. Et en même temps, ça permet aux architectes de faire des constructions plus légères parce que la dalle et la pente de toit sera beaucoup plus légère qu'une dalle classique en béton. Et la famille Lafarge d'Algérie, elle constitue combien d'acteurs? Alors, en acteurs, on a à peu près 2000 employés directs et 2000 sous-traitants à temps plein sur l'ensemble de nos sites qui sont répartis sur tout le territoire. On a à peu près 12 sites de production et donc voilà, les gens sont répartis sur toute cette chaîne-là. Et votre production, elle s'améliore, elle s'augmente chaque année? Alors la production, on a nos usines qui tournent à plein régime depuis plusieurs années, malgré la baisse de l'activité de la construction en Algérie. On a réussi à s'orienter vers l'exportation de manière plutôt réussie. Et depuis 2-3 ans, on voit également une amélioration de la performance industrielle de nos sites. Donc on a nos opérateurs, nos équipes algériennes qui sont en train de gagner la compétition vis-à-vis des autres cimenteries du groupe dans le monde, qui sont en train de devenir parmi les plus efficaces et les plus productifs dans le secteur. Donc on est assez fiers de ça et ça nous permet de produire plus avec les mêmes outils. Le slogan de Lafarge 2023? Alors 2023, c'est même plus loin que 2023, notre slogan c'est la croissance verte. Donc on veut continuer à faire de la croissance, on veut se développer, mais pas au détriment de l'environnement. Donc on essaye de marier les deux au mieux qu'on peut. Merci beaucoup. Merci à vous.